Hello, donc c'est François de retour. Je vais vous montrer aujourd'hui des petits conseils pour améliorer l'organisation de vos conversations dans Teams. Donc on va aller dans Conversations, tout simplement. On a déjà regardé les dernières fois comment faire un pop-up, avoir les conversations en nouvelle fenêtre. Mais vous le savez bien, on va avoir beaucoup, beaucoup de conversations sur le côté gauche. Ça va être un peu embêtant. Et tout le monde demande, ça c'est vraiment générique. Est-ce qu'on pourrait supprimer? Eh bien non. Déjà, on va simplement masquer. Pour l'instant, on ne peut pas supprimer les conversations. Certaines organisations vont supprimer, vont pouvoir configurer pour supprimer automatiquement au bout d'un certain temps, par exemple 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais pour l'instant, par défaut, on ne supprime pas les conversations. Donc les conversations vont vraiment rester pendant longtemps. Donc à vous un peu de réorganiser toute cette liste. Peut-être, alors réorganiser, on ne va pas changer le tri, hein, mais peut-être masquer quand une conversation ne vous convient pas. Donc par exemple, enfin ne vous convient pas, quand vous n'avez plus à voir cette conversation. Par exemple, je masque celle-ci, hop, il me montre les autres. Le souci, c'est que mes collègues vont continuer à discuter, et puis la conversation avec ces 3 personnes ici, que j'utilise très souvent, je vais vouloir la voir tout le temps et j'ai du mal à la chercher. Donc on va l'épingler. Allez hop. On l'épingle, elle reste toujours en haut. Et maintenant, je peux même réduire ma liste de conversations récentes. Pas de problème. J'ai toujours accès à celui-là en un clic. Donc c'est bien rapide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Dans une conversation de groupe, si on est 2, 3, 4 ou 50, on va éviter de faire 50 quand même. Tout simplement parce qu'on va plutôt privilégier équipe, d'accord? Quand on est en conversation de projet, aller dans équipe. Donc cette conversation de groupe, je vais cliquer sur le petit stylet. Et renommer, c'est bien pratique parce que, eh bien, allez, je vais faire toujours ce que je fais en formation, mon fameux pause café. Tout le monde a l'habitude si vous avez fait des formations avec moi. Je mets souvent un petit smiley derrière. D'ailleurs, Windows, point virgule, vous permettent de mettre des émoticônes. On enregistre et ainsi, vous avez votre conversation épinglée toujours là-haut et on peut continuer tous les jours à la voir. Allez, dernier conseil, c'est le tri tout là-haut. Donc à droite, à gauche du petit stylo pour faire une nouvelle conversation, on a un filtre. Ça ressemble à un entonnoir, donc ça a une raison. On va filtrer. Et on peut filtrer déjà par nom. Donc par exemple, moi je vais mettre, tiens, développeur. Est-ce que j'aurais pas un message développeur? Ou alors un message de, eh bien, d'un autre François. Tiens, ça doit être moi. Et je peux trouver tous les messages. Ah oui, on va d'abord agrandir récent. Voilà. Et là, je trouve tous les messages qui contiennent le mot, le nom de mon collègue, d'accord? Mais sinon, j'ai 3 petits points. 3 petits points. On peut voir uniquement les messages qui sont non lus, toutes les conversations, ou uniquement les messages à l'intérieur d'une réunion. Puisque rappelez-vous qu'une réunion, on commence à travailler sur la réunion avant la réunion, pendant la réunion et après la réunion. Donc on va pouvoir des messages qui ont été échangés avant, des messages, des fichiers également échangés avant. Donc tout ça, c'est faisable et on va pouvoir les filtrer. Notez au passage notification désactivée. Évidemment, si on désactive les notifications d'une de ces conversations, on ne va pas pouvoir les voir très facilement. Donc on va soit les voir en non lu, soit on peut simplement se rappeler lesquelles ont été désactivées. Par exemple, celle-ci, je vais désactiver les notifications. Et puis, ce groupe d'ailleurs de café, je n'ai pas besoin de voir les notifications, puisque c'est pas vraiment le travail, d'accord? Soyons clairs. Donc, quand je veux revenir plus tard et voir que celles qui ont été désactivées, tout simplement parce que je me dis peut-être que je suis en train de. Il y a des conversations que j'ai loupées, mes collègues me l'ont dit dans le couloir. Eh bien, voilà. Là, je vois uniquement les conversations qui ont été désactivées et ça me permettra de réactiver le son. Alors, ils appellent ça son, mais en fait, c'est notification, hein, parce que ça peut être visuel et pas seulement auditif. Et donc je réactive celle dont j'ai besoin. Je vais laisser celle-ci désactivée. On arrête le filtre tout en haut. Et voilà. Donc un petit peu d'organisation sur nos conversations, c'est hyper important parce que je sais, ça fait beaucoup de bruit et tout le monde s'en plaint en ce moment d'avoir des notifications dans tous les sens. Donc pensez à désactiver et organiser, épingler vos conversations. Allez, si mes petites vidéos vous plaisent, eh bien évidemment, envoyez un message, cliquez sur le like, vous avez l'habitude sur YouTube. Mais c'est important pour nous parce que sinon, ben, ça ne vaut pas trop le coup que je fasse des vidéos dont j'ai l'impression d'aider. Voilà, super, à bientôt pour un nouveau conseil.